Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le père de Mohammad se nommait Maslama bin Salama et son grand-père se nommait Salama. On dit qu'il se nommait aussi Khalid. La mère de Mohammad bin Maslama se nommait Umme Saham. Son nom d'origine était Khulaida bint Abu Ubaida. Mohammad bin Maslama appartenait à la tribu Aws et il était l'allié de la tribu Abd al-Ash'al. Ses noms d'emprunt étaient Abu Abdillah ou Abdurrahman et Abu Saïd. Selon Alama ibn Hajar, le nom Abu Abdillah est plus authentique. Selon un autre récit, il était né 22 ans avant que le saint prophète Mohammed soit lui, et il faisait partie de ceux qui, à l'époque de l'ignorance, portaient le nom de Mohammed. En effet, les Juifs de Médine attendaient l'arrivée du prophète dont l'avènement avait été prophétisé par le prophète Moïse. Ils avaient déclaré que ce futur prophète se nommera Mohammed. Lorsque les Arabes ont entendu parler de cela, ils ont nommé leurs enfants Mohammed. Selon les livres de la Sira, il existait entre 3 ou 15 personnes portant le nom de Mohammed à l'époque de l'ignorance. Alama Souhaili, le commentateur de la Sira d'Ibn Hisham, mentionne le nom de 3 personnes nommées Mohammed. Alama Ibn Asir mentionne le nom de 5 personnes. Et selon Abdul Wahhab Shirani, il y en avait 15 personnes dont le nom était Mohammed. Je mentionne ici les noms de ces 15 individus. Il y avait Mohammed bin Soufiane, Mohammed bin Ouhayha, Mohammed bin Humran, Mohammed bin Khuzayy, Mohammed bin Adi, Mohammed bin Asama, Mohammed bin Bara, Mohammed bin Haris, Mohammed bin Hirmas, Mohammed bin Khawli, Mohammed bin Yahmad, Mohammed bin Yazid, Mohammed bin Usaidi et Mohammed Fouqaymi. Et il y avait Mohammed bin Maslama. Mohammed bin Maslama faisait partie des tout premiers musulmans. Il avait embrassé l'islam sur les mains de Moussa bin Omer, et ce avant Sa'd bin Mu'adh. Lorsque Abu Ubaida bin al-Jarrah est venu à Médine, le saint prophète Mohammed bin Soussalui a établi un lien de fraternité entre celui-ci et Mohammed bin Maslama. Mohammed bin Maslama faisait partie de ses compagnons
qui avaient assassiné Kar bin Ashraf et Abu Rafi bin Hukaik. Ces deux individus étaient des fauteurs de troubles qui tentaient de nuire aux musulmans. Voire, ils avaient tenté d'attaquer les musulmans et ils avaient même tenté de tuer le saint prophète Mohammed bin Sassaloui. Le saint prophète Mohammed bin Sassaloui avait choisi Mohammed bin Maslama pour assassiner ces deux individus. Lorsque le saint prophète Mohammed bin Sassaloui partait pour certaines expéditions, eh bien, il nommait Mohammed bin Maslama comme son suppléant à Médine. Les fils de Mohammed bin Maslama se nommaient Jafar Abdullah, Saad Abdurrahman et Omar. Ils étaient tous des compagnons du saint prophète Mohammed bin Sassaloui. Mohammed bin Maslama avait participé dans la bataille de Badr, à la bataille d'Uhud et à toutes les autres batailles, sauf celle de Tabouk, durant laquelle il était resté à Médine, après en avoir reçu l'autorisation de la part du saint prophète Mohammed bin Sassaloui. Comme je l'ai dit, Mohammed bin Maslama avait participé à l'assassinat de ces deux fauteurs de troubles et des ennemis de l'islam. J'en avais évoqué quelques détails en mentionnant Obada bin Bishr, quelque un an et demi de cela. J'en ferai brièvement mention ici et je présenterai aussi d'autres détails à ce propos. Dans son ouvrage « Sirat Khatm al-Nabi » Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sab relate ceci sur Kar bin Ashraf. La bataille de Badr avait mis en exergue l'hostilité des Juifs, une hostilité qui s'était accrue et ils n'ont cessé de fomenter les troubles. L'exécution de Kar bin Ashraf est un autre maillon dans cette chaîne. Bien que Kar était un juif de confession, il ne l'était pas de descendance, il était un arabe. Son père se nommait Ashraf, il était très intelligent, il était très rusé, il appartenait à la tribu Banu Nebhan. Sa tribu s'était établie à Médine, et à Médine, il s'est lié d'amitié avec les Banu Nadir et il est devenu leur allié. Ashraf a réussi à amasser un tel pouvoir, une telle influence, qu'Abu Rafi bin Abdel Hukaik, le chef des Banu Nadir, lui a offert la main de sa fille en mariage. Et de cette union est né Kab, qui en grandissant a eu un statut encore plus éminent que celui de son père, tant et si bien que tous les Juifs de l'Arabie l'ont pris pour chef. D'un point de vue moral, Kar bin Ashraf était très corrompu et il était un maître dans l'art des complots et des conspirations. Il n'accomplissait pas la moindre action de bienfaisance. Il était passé maître dans l'art de commettre des méfaits, de fomenter les troubles. Lorsque le saint prophète, paix soit sur lui, s'est établi à Médine, Kar bin Ashraf, avec les autres juifs, a signé le traité entre eux et le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Traité qui concernait l'amitié mutuelle entre les deux communautés, qui concernait la paix, la sécurité et la défense collective de la ville de Médine. Mais au fond du cœur de Kab, il y avait le feu de la méchanceté et de l'hostilité qui brûlait. Et il a commencé à s'opposer à l'islam et à son fondateur à travers des complots et des conspirations. Son opposition a pris une forme dangereuse. Et après la bataille de Badr, il a commencé à comploter et à fomenter la sédition, mettant ainsi les musulmans dans un grand danger.
Et quand les musulmans ont triomphé à Badr, et quand la plupart des chefs des Qurayshites ont été tués, eh bien, Ka'b a compris que cette nouvelle religion ne disparaîtra pas d'elle-même. Il croyait auparavant que cette nouvelle religion allait disparaître, mais après avoir constaté le progrès de l'islam, lorsqu'il a vu le résultat de la bataille de Badr, il a compris que cette nouvelle religion ne va pas disparaître. C'est ainsi qu'après la bataille de Badr, il s'est résolu de faire de son mieux pour détruire complètement l'islam. Quand cette nouvelle a été confirmée et que Ka'b a compris que la victoire de Badr a offert à l'islam une force qui dépassait ses rêves les plus fous, eh bien la colère et la rage l'ont submergé. Il s'est mis en route immédiatement dans la direction de la Mecque et une fois sur place, grâce à son éloquence et grâce à sa maîtrise de la poésie, il a attisé le feu dans le cœur des Qurayshites. Il a engendré dans leur cœur une soif intarissable pour le sang des musulmans et il les a emplis des sentiments de vengeance et d'inimitié. Ayant attisé leur haine, eh bien, Ka'b a emmené les Qurayshites dans la cour de la Ka'ba et il leur a remis les draps de la Ka'ba dans les mains et il leur a demandé de jurer qu'ils ne se reposeraient pas jusqu'à ce que l'islam et son fondateur ne disparaissent de la surface de la terre. Ainsi, après avoir enflammé les esprits à la Mecque, ce fauteur de troubles a voyagé de tribu en tribu dans l'Arabie tout entier et il a incité les gens contre les musulmans. Ensuite, il est retourné à Médine et à Médine, il a composé des couplets provocateurs et obscènes à propos des femmes musulmanes. Et il n'a même pas épargné les femmes de la maison du Saint-Prophète Mohammed bin Maslama, et il a diffusé ses couplets infamants dans le pays tout entier. En fin de compte, il a ourdi un complot pour faire assassiner le saint prophète Mohammed bin Maslama. Il a invité le saint prophète bin Maslama dans sa résidence pour un festin et avec l'aide de quelques jeunes hommes juifs, il a tenté de faire assassiner le saint prophète Mohammed bin Maslama. Par la grâce de Dieu, le saint prophète Mohammed bin Maslama avait reçu l'information en avance et son plan a échoué. À la lumière du traité conclu entre les habitants de Médine à son arrivée, le saint prophète Mohammed bin Maslama était désormais le chef de l'exécutif et le commandant en chef de l'État démocratique de la ville de Médine. Ainsi, lorsque la situation empira et qu'il était évident que Ka'b était coupable de violation du traité de rébellion, d'incitation à la guerre, de sédition, d'usage de langage vulgaire et de conspiration, pour assassiner le saint prophète Mohammed bin Maslama, eh bien le saint prophète bin Maslama a déclaré que Ka'b bin Ashraf était susceptible d'être mis à mort pour ses actions. Suite aux campagnes séditieuses de Ka'b, l'atmosphère était tendue à Médine à l'époque, et une annonce officielle de son exécution aurait déclenché une guerre civile à Médine, et beaucoup de sang aurait coulé. Et le saint prophète Mohammed bin Maslama était prêt à tout faire pour éviter la violence intercommunautaire et l'effusion de sang. C'est ainsi que le saint prophète Mohammed bin Maslama a ordonné que Ka'b soit exécuté secrètement par quelques individus. Le saint prophète Mohammed bin Maslama a confié cette mission à un fidèle compagnon nommé Mohammad bin Maslama.
et il a souligné que le plan doit être exécuté avec le conseil de Sa'd bin Mu'adh, qui était le chef de la tribu Aws de Médine. Mohammad bin Maslama a déclaré « Ô messager d'Allah, afin de le tuer secrètement, nous serons obligés de trouver une excuse pour l'attirer hors de sa résidence, afin de pouvoir l'exécuter dans un endroit sûr. » Les conséquences auraient été graves si l'opération secrète était dévoilée au grand jour. Sur ce, le saint prophète Mohammed bin Sassad, lui, a commenté très bien. Et suite au conseil de Sa'd bin Mu'adh, Mohammed bin Maslama a pris Abu Naïla et deux ou trois autres compagnons, et ils se sont rendus à la résidence de Ka'b. Ils ont demandé à Ka'b de sortir de chez lui, et ils lui ont dit ceci, que notre chef, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, exige de l'aumône de notre part. Alors que nous sommes en difficulté, auras-tu l'obligeance de nous accorder un prêt ? En entendant cela, Ka'b a sauté de joie et il a déclaré par Dieu, « Ce n'est rien du tout, le jour n'est pas loin quand vous allez abandonner cette personne. » Mohammed bin Maslama a répondu, « En tout cas, nous avons déjà accepté Mohammed, mais dis-nous si tu nous feras ce prêt ou pas. » « Bien sûr, a déclaré Ka'b, mais vous allez devoir déposer des garanties. » Mohammed bin Maslama a demandé « Quelles sont tes exigences ?» Le misérable a répondu « Laissez vos femmes en gage. » En réprimant sa colère, Mohammed bin Maslama a commenté « Comment est-il possible pour nous de laisser nos femmes en garantie avec un homme comme toi ?» L'autre répondit « Bien, vos fils feront l'affaire. » Mohammed bin Maslama a ajouté « Cela est impossible. Nous ne pourrons pas endurer les reproches de l'Arabie tout entière. Par contre, si tu es assez généreux, eh bien nous sommes prêts à laisser nos armes avec toi comme garantie. » Ka'b a accepté et Mohammed bin Maslama et ses compagnons sont partis avec la promesse de revenir la nuit. À la tombée de la nuit, ils se sont présentés à la résidence de Ka'b avec leurs armes. Parce qu'ils pouvaient le faire, cette nuit-là, en accord à leur promesse. Ayant conduit Ka'b dans un coin hors de chez lui pour les discussions en marchant, Mohammed bin Maslama ou un de ses compagnons a posé sa main sur la tête de Ka'b pour quelque raison et il lui a agrippé la tête par les cheveux fermement et il a dit à ses compagnons « Tuez-le ». Les compagnons étaient déjà prêts et ils ont transpercé Ka'b avec leurs épées. Ka'b est tombé mort. Mohammed bin Maslama et ses compagnons se sont présentés au Saint-Prophète Mohammed bin Sassoui pour l'en informer. Les nouvelles de l'exécution de Ka'b ont ébranlé la ville et le peuple juif était furieux. Le lendemain matin, une délégation juive s'est présentée au Saint-Prophète Mohammed bin Sassoui. Et cette délégation s'est plaint que leur chef Ka'b bin Ashraf a été assassiné. Le saint prophète Mohammed bin Sassoui, lui, a écouté leurs commentaires et il a déclaré « Êtes-vous également au courant des crimes dont il est coupable ?» Et le saint prophète Mohammed bin Sassoui, lui, leur a brièvement rappelé tous ses méfaits, à savoir le non-respect du traité, l'incitation à la guerre, la sédition, l'usage d'un langage grossier, la conspiration d'assassinat. Sur ce, les Juifs ont pris peur et ils n'ont pas prononcé un mot. Le Saint-Prophète, paix soit sur lui, a ajouté. Le Saint-Prophète a déclaré, « Au moins, à partir de maintenant, vous feriez bien de vivre en paix et éviter d'attiser l'hostilité, la violence et les troubles. » Sur ce, un nouveau traité a été rédigé avec le consentement des Juifs et ils ont promis de cohabiter avec les musulmans en paix et de ne plus fomenter des troubles. Ces Ka'b n'étaient pas coupables. Les Juifs n'auraient pas accepté cet accord aussi facilement.
ils auraient fait grand bruit en raison de son meurtre. En tout cas, ils ont promis de vivre en paix à l'avenir. L'histoire ne dit pas si les Juifs par la suite ont évoqué l'assassinat de Kaab et s'ils ont accusé les musulmans de son assassinat. En effet, ils avaient compris que Kaab avait mérité son châtiment. Certains historiens occidentaux objectent que le saint prophète Mohammed bin Maslama lui avait commis un acte condamnable en faisant assassiner Kaab. Il faudra se demander tout d'abord si cet assassinat était un acte permis ou pas. Deuxièmement, on doit se demander si la méthode utilisée était permise ou pas. De prime abord, n'oublions pas que Kaab bin Ashraf avait signé un pacte avec le saint prophète Mohammed bin Sassaloui. Loin de promettre qu'il ne mènera pas de campagne contre les musulmans, il avait promis d'aider les musulmans contre tout ennemi extérieur et qu'il maintiendrait des liens d'amitié avec les musulmans. Il avait aussi accepté le saint prophète Mohammed bin Sassaloui comme chef de l'État démocratique établi à Médine, ainsi que l'arbitre de tous les différends entre les habitants de Médine. Il avait accepté que les verdicts du saint prophète Mohammed bin Sassaloui seraient acceptables par les Juifs. Ainsi donc, l'histoire prouve aussi que, selon ce traité, les Juifs présentaient leurs doléances au saint prophète Mohammed bin Sassaloui et le saint prophète paix soit sur lui jugé entre eux. En pareille circonstance, Kaab bin Ashraf avait fait fi de ce pacte. Non seulement avait-il été coupable de traîtrise à l'égard des musulmans, mais il a aussi été coupable de traîtrise envers l'État, car le saint prophète Mohammed paix soit sur lui était le chef de l'État. Il a semé la graine de l'insurrection à Médine. Il a attisé la guerre dans le pays. Il a soulevé de manière dangereuse les tribus arabes contre les musulmans. Il a aussi ourdi le complot d'assassinat du saint prophète Mohammed bin Sassaloui. La litanie des crimes de Kaab méritait d'être condamnée et une procédure devait être initiée à son encontre. Pour mettre fin à ces méfaits, méritait-il toute autre punition hormis la mort? Aujourd'hui, dans les pays développés, la rébellion, le non-respect d'un pacte, attiser la guerre et comploter un assassinat sont sanctionnés par la peine de mort. Pourquoi soulever une objection à ce sujet? La deuxième objection soulevée était au sujet de la manière dont il a été assassiné. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib déclare « N'oublions pas qu'à l'époque, il n'existait pas d'État souverain en Arabie. » Il ajoute « Un chef a certes été nommé et c'est lui qui prenait les décisions. » Mais en dépit de cela, toute personne et toute tribu était libre et autonome. Dans pareilles conditions, dans quel tribunal allait-on déférer Kaab et d'où émanerait l'ordre de son exécution? On dit qu'une plainte aurait dû être déposée auprès de Juifs dont il était le chef. Mais les Juifs avaient déjà fait preuve de trahison à l'encontre des musulmans. Ils essayaient continuellement de semer le désordre contre les musulmans. Pouvait-on présenter ses doléances aux Korachites de la Mecque qui étaient assoiffés du sang des musulmans? Ce n'était pas la peine de demander justice aux tribus Sulaim et Radfan qui, depuis quelques mois, avaient essayé à 3 ou 4 reprises d'attaquer Médine. Ensuite, Mirza Bashir Ahmad Sahib écrit « Réfléchissez sur la situation qui régnait à ce moment. Quelle autre solution les musulmans avaient-ils ?»
La vie de cet homme qui avait attisé l'insurrection et qui avait lancé un appel à la guerre et qui semait le désordre et qui ourdissait des complots d'assassinat, sa vie était devenue dangereuse pour les musulmans et pour la paix du pays. Dans cette perspective de défense, il était plus convenable de l'assassinat dès que la situation se présentait. Il était préférable d'éliminer un homme mauvais et semant le désordre que de mettre en danger la vie de milliers d'habitants pacifiques et de compromettre ainsi la paix de tout un pays. Eu égard au pacte conclu entre les musulmans et les juifs après l'Hégir, le saint prophète Mohammed bin Sassou, lui, n'avait pas le statut d'un citoyen ordinaire. Il avait été nommé chef de Médine par son peuple et il avait ainsi l'autorité de rendre son verdict sur les différends et sur les faits de la politique. Si pour maintenir la paix dans le pays, il avait émis l'ordre d'exécuter Karb, qui perpétrait le désordre, sa décision n'était pas surprenante. Ainsi, cette objection n'a aucun fondement. D'ailleurs, des preuves historiques établissent que même les Juifs estimaient que cette punition infligée à Karb était raisonnable compte tenu de ses crimes, et ils n'ont soulevé aucune objection à cet égard. L'autre objection est pourquoi les Juifs n'ont-ils pas été convoqués afin qu'on les informe des crimes de Karb et afin que son exécution puisse être officiellement et publiquement annoncée après la présentation des preuves. La réponse est que la situation était très précaire à l'époque et adopter cette méthode aurait attisé la violence intercommunautaire. Et cette annonce aurait déclenché une guerre civile à Médine et beaucoup de sang aurait coulé. Par conséquent, le saint prophète Mohammed bin Sassou lui a jugé approprié de rendre discrètement le verdict relatif à la punition de Karb, étant donné que certaines tâches s'avèrent plus bénéfiques si elles sont accomplies rapidement et dans le secret, afin de préserver la paix publique. Ainsi, il n'y avait absolument aucune tromperie de la part du saint prophète Mohammed bin Sassou lui. Il n'avait pas l'intention de garder cette punition secrète non plus. Car dès que la délégation de Juifs est venue le rencontrer le lendemain matin, sans hésiter, le saint prophète Mohammed bin Sassou lui leur a raconté toute l'histoire. De plus, en assumant l'entière responsabilité de cette action, le saint prophète a prouvé qu'il ne souhaitait tromper personne. De plus, il a clairement dit aux Juifs que cette punition était infligée à Karb en raison de ses crimes gravissimes. Et le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré que c'était lui-même en personne qui avait donné cet ordre. L'accusation que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a donné à ses compagnons la permission de mentir et de tromper autrui à cette occasion est absolument incorrecte. Et les récits authentiques rejettent cette notion. Le saint prophète, paix soit sur lui, n'a jamais autorisé à ses compagnons de mentir. Selon le récit de Bukhari, qui est le plus authentique de toutes les narrations, Mohammed bin Maslama avait dit aux messagers d'Allah que pour tuer Karb secrètement, ils seront obligés de trouver une excuse pour l'attirer. En tenant en compte les avantages de cette punition secrète, le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a dit très bien. À cette occasion, ni le saint prophète ni Mohammed bin Maslama n'ont présenté d'explications ou des clarifications. Le saint prophète Mohammed bin Sassou lui sous-entendait par là que Mohammed bin Maslama et ses compagnons devaient dire quelque chose afin d'attirer Karb hors de chez lui, afin qu'il les accompagne volontairement, et il n'y a absolument rien de mal à cela. Après tout, en temps de guerre, lorsque les espions sont envoyés en mission, ils sont eux aussi tenus d'énoncer de tels propos et aucun individu censé ne s'y oppose jamais. Ainsi, le caractère du saint prophète Mohammed bin Sassou lui est irréprochable. Reste à connaître ce qu'avait dit Mohammed bin Maslama et ses compagnons. Là-bas, ils n'ont pas tenu aucun propos qui puisse être considéré comme immoral et ils n'ont pas menti.
Certes, compte tenu de l'objectif de leur mission, ils devaient utiliser certains mots qui pouvaient être interprétés de plusieurs manières. Mais ils n'avaient pas d'autre option pour eux. En situation de guerre, aucun individu sensé et honnête ne condamnera cet écart minime de paroles franches et directes pour une bonne cause. Certains ont posé la question de savoir s'il est permis de tromper autrui en temps de guerre. Selon certains récits, le saint prophète Mohammed lui aurait déclaré que Al-Harbu Khud'atun, c'est-à-dire que la guerre est un leurre, la guerre est une tromperie. Certains ont conclu que le saint prophète Mohammed lui aurait donné la permission de tromper autrui en temps de guerre. Qu'Allah nous en préserve. En premier lieu, les mots « al-harbu khud'a » ne signifient pas qu'il est permis d'employer la tromperie en temps de guerre. Au contraire, le seul sens qui est impliqué ici est que la guerre est en soi une sorte de tromperie. En d'autres termes, on ne peut rien prédire sur l'issue d'une guerre. C'est-à-dire qu'il existe tant de facteurs différents qui affectent le résultat de la guerre que quel que soit le cours des événements, on ne peut rien prédire à ce propos. Ce sens est soutenu par le fait qu'il existe deux versions de ce hadith. Dans la première version, le saint prophète Mohammed a déclaré que Al-Harbu Khud'a, c'est-à-dire la guerre est une tromperie. Dans la deuxième version, il est dit Sab al-Harba al-Khud'a, c'est-à-dire le saint prophète a nommé la guerre une tromperie. Lorsque ces deux récits sont lus ensemble, la conclusion est que le saint prophète n'a pas permis l'usage de la tromperie au cours de la guerre. Il voulait plutôt dire que la guerre est en soi un mirage qui trompe autrui. Cependant, si l'on insiste pour dire que la tromperie est autorisée en temps de guerre, dans ce cas, le mot tromperie signifie le recours à des stratégies et des tactiques de guerre et pas le mensonge ou la trahison. Dans ce cas, le mot « khud'a » signifie les manœuvres et les stratégies, et pas le mensonge. Cela implique qu'il n'est pas interdit de prendre l'ennemi au dépourvu et de l'appréhender ou de le maîtriser au moyen d'une stratégie ou au moyen d'une tactique. Il existe différentes formes de manœuvres. Par exemple, selon les récits authentiques, lorsque le saint prophète entamait une campagne, il ne révélait généralement pas sa destination finale. Parfois, s'il avait l'intention de voyager vers le sud au début de son voyage, il se dirigeait vers le nord. Puis, il se tournait vers le sud. Parfois, si quelqu'un lui demandait d'où il venait, au lieu de mentionner Médine, il nommait un endroit proche ou éloigné de là où il avait précédemment campé, ou il employait une autre tactique de guerre. De même, le Saint-Coran indique que les compagnons battaient en retraite sur le champ de bataille pour ensuite lancer une attaque soudaine quand l'ennemi s'y attendait le moins et quand ses rangs étaient rompus. Ce sont autant d'exemples où Khud'a est utilisé en état de guerre et l'est toujours même aujourd'hui. Cependant, l'islam interdit strictement l'usage du mensonge et de la trahison. D'ailleurs, le saint prophète Mohammed a déclaré qu'en islam, le troisième plus grand péché, après avoir associé les partenaires à Dieu et usurpé les droits des parents, le troisième grand péché, c'est le mensonge. De plus, il a déclaré que la foi et la lâcheté peuvent coexister. Il a déclaré que la foi et la lâcheté peuvent coexister, mais la foi et le mensonge ne peuvent pas coexister. En ce qui concerne la tromperie et la trahison, il a déclaré que le traître sera sous le coup du châtiment de Dieu au jour de la résurrection.
Ainsi, en temps de guerre, la khuda est permise. Et cette khuda peut ressembler au mensonge et à la tromperie, mais en réalité, il n'est pas un mensonge. Il s'agit ici de stratagèmes de guerre pour prendre l'ennemi au dépourvu ou pour le vaincre. Dans certains cas, cela peut ressembler au mensonge et à la tromperie, mais en réalité, il n'en est rien. Le hadith suivant confirme notre position, déclare Hazrat Mirza Bashir Sahib. Oum Kulthoum bin Uqba raconte ceci. Le saint prophète Mohammed bin Maslama lui a autorisé l'usage de déclarations qui ne sont pas mensongères, mais que les gens ordinaires peuvent interpréter comme telles, en trois occasions uniquement. Premièrement, en temps de guerre. Deuxièmement, lors de la réconciliation entre deux personnes en conflit. Et troisièmement, quand un mari ou une femme énonce des propos qui sont destinés à plaire ou à satisfaire son partenaire. L'intention doit être bonne en toute situation. Ce hadith ne laisse aucun doute sur le fait que le type de khuda autorisé en temps de guerre n'implique ni mensonge ni tromperie. Il s'agit ici de moyens qui doivent être utilisés parfois comme tactiques de guerre et qui sont considérés comme licites dans chaque nation et dans chaque religion. Après avoir mentionné le récit de Ka'b ibn Ashraf ibn Hisham, évoque aussi un autre récit selon lequel, après l'exécution de Ka'b, le saint prophète aurait ordonné aux compagnons de tuer tous les juifs qu'ils pouvaient appréhender. Par conséquent, un compagnon du nom de Mahisa a attaqué un juif et l'a tué. Le même récit a également été rapporté dans Abu Daoud. La source de ces deux récits est Ibn Ishaq. À la lumière de la science de la narration, ce récit est faible et c'est un récit qui est peu fiable, car Ibn Hisham l'a consigné sans aucune chaîne de narration. Il n'existe pas de chaîne de narrateur pour ce hadith. Et la chaîne de narrateurs fournie par Abu Daoud est faible et incomplète. Dans cette chaîne de narrateurs, Ibn Ishaq déclare qu'il a entendu cet incident d'un esclave affranchi de Zayd bin Thabit. On ne connaît pas cet esclave. On ne connaît pas son nom. Et cet esclave anonyme a entendu cet incident d'une fille inconnue de Mahisa, qui l'avait entendu de la part de son père. Tout individu peut comprendre qu'un récit dont deux narrateurs sont anonymes ne peut en aucun cas être acceptable. De plus, la dirayat, c'est-à-dire la teneur de ce récit, indique qu'il n'est pas authentique, car la conduite générale du saint prophète, paix soit sur lui, refute catégoriquement l'idée qu'il émettrait pareil ordre général. En outre, s'il s'agissait d'un ordre général, il en résulterait certainement de nombreux assassinats de ce type. Cependant, les récits n'ont rapporté qu'un seul cas, ce qui prouve qu'il ne s'agissait pas d'un ordre général du saint prophète. De plus, les récits authentiques attestent que le lendemain, un nouveau traité a été conclu avec les Juifs. En présence de pareils traités, on ne peut pas admettre que le saint prophète, que ce soit lui, aurait émis un ordre de cette nature. En outre, si pareil incident s'était effectivement produit, les Juifs auraient sûrement soulevé tout un tollé. Or, aucun récit historique n'indique que les Juifs auraient émis pareille doléance. Par conséquent, ce récit est faux eu égard à sa chaîne de transmission et à sa teneur. Ce récit peut être considéré crédible uniquement dans la mesure où un tollé a éclaté à Médine après l'exécution de Ka'b ibn Ashraf. Les Juifs étaient en colère et sentant quelques menaces de leur part, le saint prophète aurait peut-être dit à ses compagnons. Il est possible que le saint prophète aurait dit à ses compagnons qu'ils étaient autorisés en état de légitime défense de tuer le Juif qui les attaquerait. Cependant, il semble que cet état n'aurait duré que quelques heures, car le lendemain, un nouveau traité a été conclu avec les Juifs et la paix a été rétablie de nouveau.
Il existe une légère différence d'opinion quant à la date de l'exécution de Ka'b bin Ashraf. Selon Ibn Sa'd, cette exécution a eu lieu au cours du mois de Rabiul Awwal en l'an 3 de l'Hégire. Mais selon Ibn Hisham, cette exécution a eu lieu après la Saria de Zayd bin Harith au cours du mois de Madul Akhira. Et j'ai suivi l'ordre d'Ibn Hisham, a déclaré Mirza Bashir Ahmad Sa'd. Il existe quelques récits à propos de ce compagnon que j'évoquerai plus tard, Inch'Allah. Alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر